Moi, je dirais quand même que les Magic Cool, ça donne super bien sur les fonds noirs. Je suis un peu plus mitigée quand même sur le clair quand on mélange comme ça. Bon, je sèche, je vous montre, ce sera la finalité normalement. Encore une fois, si les choses ne nous plaisent pas, rien n'empêche de repasser une couche de gesso noir et de recommencer à zéro. Mais étant donné que que ma priorité ici, c'est de faire des tests, de voir ce que ça donne, je trouve que la journal est quand même un bon moyen de tester. Alors. Et donc voilà ce que ça donne. Ici, j'ai hors caméra rajouté un petit peu de vert pour que ça ressorte mieux. Et en le voyant par via caméra, je me demande si ce côté-là, je ne vais pas remettre du vert aussi. Oui, c'est ce que je vais faire parce que ça ne me plaît pas trop comme ça. Après, le fait que les découpes soit teinté totalement différemment ne me déplaît pas non plus. Hein? Honnêtement, ça ne me déplaît pas non plus. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter ici du vert. Oui, du vert et du bleu sur les côtés ici. Et comme ça donnera ce que je veux. Et donc, voilà, une fois terminé, tel que moi je le voyais. Évidemment, ça joue avec la lumière. Et vous voyez que ça ressort dès qu'on met les poudres. Vous avez votre papier d'embossage qui ressort super fort. Donc voilà. J'espère que cette page vous aura plu. Enfin, que ces deux pages, mais celle-là, c'était la vidéo précédente, vous auront plu. Je pense que la suivante, ben, je vais essayer de revenir un truc fleuri, peut-être, pourquoi pas. Hein? Donc voilà, il commence à prendre son épaisseur, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas encore terminé. Et il y a autre chose qui me plaît énormément dans cette idée de l'art journal, c'est que ben, vous avez plein d'idées créatives que vous mettez dans un... Allez, ensemble, vous pouvez le feuilleter, vous dire, ah tiens, c'est allez, quand même des choses totalement différentes dans un art journal. Et c'est bien aussi de le faire sur des canvas ou sur des tableaux, mais après il faut les stocker. C'est pas toujours évident de les stocker. Alors évidemment, je continuerai à en faire parce qu'il y a des choses qui doivent prendre plus de place, plus d'épaisseur, donc je continuerai fatalement à en faire. Mais ça permet quand même, quelque part, l'art journal de pouvoir faire des choses totalement différentes, réunies dans. Voilà, dans un vieux livre de cuisine, un vieux livre de contes, dans un bloc, chacun y trouve un peu ce qu'il veut et donner des choses totalement différentes, avec des matières, avec des couleurs, avec des sujets, avec voilà. Pour moi, c'est que du bonheur, donc je l'ai commencé en me demandant si ça allait me plaire, et j'avoue franchement que oui, ça me plaît. Donc je vous embrasse, ça a été long, surtout le collage, j'espère que vous serez passé en accéléré parce que c'était vachement long. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt!